L'effet magic metal. Pourquoi on dit magic metal? Parce que ça reflète. Ça a un effet magique sur le design. On peut se voir dedans. Ça rend le gyproc intéressant. Et puis quand on parle de home staging, eh bien, ça commence par stager de home. Donc il faut recouvrir le gyproc de matériaux afin de pouvoir dire que nous avons de l'architecture d'intérieur dans notre propriété. On a de l'architecture extérieure, soit la brique qu'on met par-dessus à l'extérieur. À l'intérieur, la plupart des gens ne mettent rien par-dessus le gyproc. Alors, ils n'ont pas d'architecture d'intérieur. Le home staging, si vous ne changez pas, n'ajoutez pas d'architecture intérieure, vous n'avez pas fait de home staging. Voilà. C'est pas fini, mais il n'y a pas beaucoup de contrats en hiver, alors on fait ce qu'on peut. Home Staging 101, Claude-François, Magic Metal. Bien sûr, c'est pas fini. Il reste des choses à faire, mais c'était pour donner une idée de comment rapidement on peut changer une salle de bain, une cuisine, et surtout l'effet que ça avait. Que ce soit sur la baignoire, que ce soit sur le rideau de douche, que ce soit sur la tuile par terre. Ça crée une ambiance. Modèle AH712, Claude François Design.